Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est le top 10 dab. Et on enchaîne tout de suite avec le dab numéro 10. Le dab numéro 10, c'est vraiment un dab qui est réalisé par quelqu'un avec un cœur très très grand, puisqu'il s'agit du dab devant le Sacré-Cœur. Voilà, franchement, respect. Allez, dab numéro 9, c'est le dab sur le champ de Mars. Voilà, qui n'aimerait pas daber sur le champ de Mars en face de la tour Eiffel, franchement. Mais qui? Dab numéro 8, c'est le dabélisque, le dab qui réunit les cultures égyptiennes et celles du dab au même endroit. Comme quoi, la colonisation a aussi du bon. Et allez, c'est parti, on continue la suite du top 10 des dabs. Mais attendez, vous entendez ce bruit? Je crois que c'est le bruit du dab numéro 7. Waouh, il est si rapide! Oui, parce que c'est le dab F1! Waouh, ce dernier dab était vraiment époustouflant. Allez, on continue dans le top 10 des dabs avec le dab numéro 6. Mais regardez, c'est le dab devant une colonne Maurice. Et c'est pas tout. Il y a le mini dab devant une mini colonne Maurice. Incroyable, n'est-ce pas? Dab numéro 5. C'est le dab devant des mariés. Incroyable! Un dab devant des mariés. Le dab est vraiment partout. Allez, vive les mariés! Et on se retrouve déjà au dab numéro 4. Mais ce n'est pas n'importe lequel. C'est le Maghreb dab, un dab qui se trouve entre le Son Goku marocain et le Vegeta algérien. Il faut vraiment beaucoup de puissance pour daber ici. Et on est déjà dans le top 3 des dabs. Vous vous rendez compte, les 3 meilleurs dabs. Waouh! Allez, dab numéro 3. Waouh, c'est le dab pyramidal. Ce dab est si parfait dans ses proportions que les mathématiciens s'arrachent les cheveux. Regardez cette spirale de Fibonacci. Elle s'inscrit parfaitement dans le mouvement. Je suis abasourdi. Allez, pas le temps de niaiser, on enchaîne directement sur le dab numéro 2. Ah, mais quel beau dab! Il mérite vraiment d'être sur le podium. C'est le double dab, le dab qui réunit les amis. J'aimerais tellement avoir un ami pour daber. Et c'est bientôt fini, je vais vous annoncer le top 1. Mais avant, quelques mentions honorables. Le dab de l'autre côté de la rue. Le dab au Moulin Rouge. Enfin, le Gus Dab Eiffel. Waouh, les amis, ça y est, c'est maintenant! C'est le moment du dab top 1! Le top 1 des dabs, le meilleur dab! Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, j'en meurs d'envie. Envie de savoir qui est ce. Qu'est-ce que c'est que ce top 1 des dabs? Oh! Eh oui, c'est le Gundab, le dab le plus puissant. Il est là, le Gundab. Il dab là, comme ça. Mais waouh, j'aimerais tellement daber comme ce Gundab. Regardez-le là, il est si dabesque! Et voilà les amis, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce top 10 dab. Au revoir.